salut à tous, c'est Megavolt. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre série Random. Cette fois-ci, nous sommes sur le jeu Donkey Kong Country, sorti en 1991 sur la Super Nintendo. Un jeu qui était à l'époque une merveille. D'ailleurs, ce jeu est encore une merveille. D'un point de vue technologique, c'est un petit peu vieilli, mais bon, ça reste quand même quelque chose. Un jeu excellent. Donc, nous sommes sur la Wii U. Et on va commencer tout de suite une partie. Donc on pouvait jouer à 1, on pouvait jouer à 2 en équipe ou de l'un contre l'autre. Bien sûr, on peut également mettre le jeu en français. Mais bon, t'en avais vu le peu d'anglais qu'il y a dedans, c'est pas vraiment important. Par contre, effectivement, j'aurais peut-être pu le mettre en stéréo. Je sais pas s'il était en stéréo d'origine, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, on commence, on a Donkey Kong. Donc, première chose à faire, c'est d'aller ici pour s'apercevoir en fait que la horde de bananes a disparu. Donc, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur ce jeu. Ah, j'ai demandé de sauter, mais apparemment, c'était peut-être pas le bon bouton. On va recommencer. Parce que je joue avec le Wii U Gamepad. Alors, j'aurais peut-être dû directement... Ah oui, donc on saute pas avec celui-là. Ok, donc on saute avec B. Et on court avec Y. Ok. Donc là, on récupère une petite Z. Voilà. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué. D'ailleurs, mes sauvegardes ont disparu. Quand je l'ai importé de la Wii à la Wii U, je sais pas pourquoi. Pas évident de jouer avec une si grosse manette. Alors pourquoi est-ce que je passe par ici? Tout simplement pour récupérer ce tonneau. Alors de mémoire, il fallait se mettre à peu près ici. Non, apparemment je me suis planté, j'étais trop loin. En faisant comme ça, on peut chevaucher le tonneau et avancer beaucoup plus rapidement. Alors on va récupérer, excusez-moi, les 4 lettres du mot Kong. Alors, comment est-ce qu'on change de personnage? Voilà, avec la lettre A. Donc l'avantage c'est que Didi est plus facile à manier, en général. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à sauter, c'est... Bon, tant pis, hop là. Par contre, il est également beaucoup plus fragile, et à certains monstres, en fait, il peut pas les dégommer. Mais bon. Voilà, ce genre de personnage, de monstre là, il n'y a que Donkey qui peut le faire. Je vous montre. Voilà, question de points. Mais perso, je préfère jouer avec Didi. Donc ça c'est le checkpoint. Alors on a des endroits, je sais plus. Non, c'était pas ici. Allez, toi le vautour, on va te dégager. Dégager. J'ai dit on te dégage, voilà. Donc là la petite figurine qu'on récupère, il faut en récupérer 3 de mémoire. Et on a un stage bonus. Donc là, on récupère le rhino. Alors je sais qu'il y a moyen de le faire courir. Ça c'était pour descendre, ok. C'est quoi la touche pour le faire courir à fond? Bizarre. C'est peut-être dans le 2 alors. Voilà, là il y a un petit passage secret. Et une vie à la fin. Voilà, on a récupéré les 4 lettres de Kong. Et on récupère une vie. Donc là, c'est le passage par lequel on est passé. Hein. C'était pour vous montrer. Hop là, on va sauter ici. On récupère des bananes. Normalement. Et là, ici, hop, j'ai loupé mon saut. On va le refaire. De mémoire, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Et un passage secret ici. Donc là, il faut choisir les 3 mêmes pour avoir un bonus. 2, 3, 4. 4. Ah, j'ai loupé mon coup. J'aurais peut-être dû m'entraîner un petit peu avant. Est-ce qu'il n'y a que moi qui vois ça, mais j'ai l'impression que l'arbre qui est juste ici, on dirait une sorte de papou, je sais pas trop quoi, on voit des yeux, on voit une coiffure. Toujours un petit peu flippant.
Alors, le prochain niveau s'appelle en français Liane Folie, comme la chanteuse. Et pas en anglais, bizarrement. Hop, alors. Peut-être qu'il faut avoir Didi, je sais plus. Voilà. Peut-être qu'il faut les deux, je sais plus. Ça fait très longtemps, je suis vraiment désolé. Petit coup de TNT. J'aimerais récupérer Didi, ça serait sympa. Je l'ai encore sur la Super Nintendo, par contre j'ai plus la console européenne. Donc c'est un petit peu embêtant. Il me reste plus que la console américaine. Ce qui fait que mon jeu ne fonctionne pas, étant donné que je n'ai pas l'adaptateur pour le faire fonctionner. Parce qu'à l'époque j'avais deux consoles, l'américaine et la française. Sachant que l'américaine, on pouvait facilement dessus mettre les jeux japonais. Il suffisait pour cela de scier un petit endroit dans le port cartouche pour pouvoir mettre les cartouches japonaises. D'ailleurs, après, pour la Nintendo 64, c'était l'inverse. J'avais une console japonaise. Et en sciant donc deux petits morceaux dans le port cartouche, on pouvait mettre les jeux américains. Allez, toi tu dégages. A mon avis, je crois que j'ai pas pris toutes les lettres. Ah si, pour l'instant je les ai toutes. Donc là c'est pareil, en sautant bien, vous récupérez un bonus, un tonneau je crois. Et là c'est pareil. Saut, hop là, oh, ça va, j'ai pas trop perdu. Par contre, je sais plus trop où sont les passages secrets. Vous voyez, d'un point de vue graphique, je trouve que c'est magnifique. On voit un scrolling parallaxe sur trois plans. Je vais essayer de récupérer. Alors, on va passer sur Didi, ça va être beaucoup plus facile, je pense. Et là, pour le passage, hop, par ici, voilà. Donc là, c'est juste du blabla, c'est pas très important. Et on va continuer. Ces ambiances sonores, graphiquement, c'est magnifique. En fait, les sprites ont été modélisés sur une Silicon Graphics, donc une grosse machine de l'époque. A savoir qu'on est en 91, hein, à l'époque, il n'y avait pas encore Windows tel qu'on connaît. Ben, on va dire tel qu'on connaît maintenant, mais ça me paraît logique. Je veux dire qu'il n'y a même pas encore Windows 95, je sais même pas si le premier Windows était sorti, je sais plus du tout les dates. Il faut savoir que sur PC, à l'époque, on devait avoir maximum 16 couleurs. Au niveau informatique, ben, il y avait encore l'Amiga et l'Amstrad, même si l'Amstrad était en fin de vie. Un petit stage bonus, il suffit juste d'appuyer une fois et tout se fait automatiquement. Et donc moi j'ai pu tester, bon c'est pas moi qui l'ai testé dans le magazine, mais j'ai pu l'essayer on va dire dans le magazine MicroKit Multimédia. À l'époque je venais tout juste de débarquer, donc c'était le numéro 1. Et donc on avait, je sais pas le prototype, mais on avait une cartouche qui n'était pas la version définitive. Ce qu'on appelait une prom je crois. Et c'était vraiment impressionnant. De pouvoir tester un jeu avant qu'il sorte. À l'époque, c'était vraiment mes... Bon, j'avais déjà fait sur Amiga Concept, mais là, c'était... c'était le Donkey Kong Country, c'était un jeu Super Nintendo. C'était pas comme avoir un jeu sur une disquette, comme on pouvait l'avoir à l'époque. Enfin, pas besoin, hop là. Et c'est pour ça que j'ai eu une grande affection pour ce jeu. Et... Malgré le fait que je l'ai... en cartouche, j'ai quand même voulu me le racheter sur la Wii. Et puis après, ben j'ai repayé un petit peu plus pour pouvoir le transférer sur la Wii U. Parce que maintenant, je peux également y jouer sur le Wii U Gamepad. Bon, je vais vous dire que j'y joue pas beaucoup. Ça fait, comme je vous l'ai dit, très longtemps que j'y ai pas touché. Depuis la sortie de la Wii U, quasiment. Ben, même un petit peu avant, parce que...
Je l'ai transféré, mais c'est la première fois que je l'utilise sur le Wii U Gamepad. Voilà. Allez, niveau suivant. Pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre. Petit niveau aquatique. C'est les niveaux les plus reposants qu'on puisse avoir. Donc là, il suffit d'appuyer sur le bouton A pour nager vers le haut. Et on se dirige avec la croix directionnelle. D'ailleurs, je suis en train de me demander. Ouais, on peut également jouer avec le stick analogique. Donc ça, c'était pas faisable à l'époque, mais c'est quand même un petit plus. Surtout pour les stages aquatiques. Oh là! C'est pas crevé. Je pensais qu'ici, il y avait quelque chose. Mais doucement, t'as le piranha. T'approches pas de moi. Il y a un petit truc en bas. Voilà. Je sais plus son nom, je sais qu'il y en a qui s'appelait Hangar, mais je crois pas que ce soit lui. Là, il y a une vie à droite, on l'a vu. Qui d'ailleurs a disparu. On récupère Donkey. Là, on va faire un petit tour vers le haut pour récupérer la banane et la lettre. Donc là, on nous indique qu'il faut passer par ici, on va se dépêcher. Bon, lui, on l'a déjà, mais on va essayer de détruire le... Non, mais apparemment, c'était pas possible. Il est revenu, je savais pas qu'il revenait. Un peu comme Yoshi dans... dans Mario. Eux, je crois qu'on peut les détruire. Bon, des fois, il y a des passages secrets. Comme là, il y a le N. Mais je veux dire que des fois, on peut passer à travers les parois pour accéder à des choses supplémentaires. Donc c'est un jeu qu'il faut terminer à 101%. À savoir pourquoi. 100% ne suffisait pas. Donc c'est 101 sur celui-là. De mémoire, je crois que c'est 100... Pourquoi j'ai fait ça, moi ? 102 sur le 2. Et peut-être 103 sur le 3. Mais j'en suis vraiment pas sûr. Bon allez, on va finir à la main, à la nage. Donc là on a Funky Kong, donc qui peut nous permettre d'aller là où on le désire à partir du moment où on a été déjà voir un autre Funky Kong. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un Funky Kong à l'autre. Et là, de mémoire, c'est bientôt le boss. Voilà, c'était ici. Là, on a récupéré le cas. Donc là, on va avancer assez rapidement. Là, je repasse en numérique, parce que l'analogique, c'est pas toujours bon pour la santé. Là, il suffit de cliquer, d'appuyer au bon moment, bon timing. Voilà, on voit que j'ai loupé le haut, je crois, j'ai pas fait gaffe. Dégage. Alors des fois il y a les bords qui glissent un petit peu, c'est pas toujours évident. On va essayer de le passer sans bouffer la TNT. Voilà, tant pis, je vous laisse. Je crois qu'il y a un truc ici ou ici, je sais plus où. Là on va essayer de prendre le tonneau. Voilà, on récupère le N, donc j'ai bien oublié à louper le haut. Je suis désolé, il y a des travaux qui viennent de commencer dehors. J'espère que vous les entendrez pas trop. Parce que là, je filme avec le caméscope et c'est un micro 5.1, donc il prend le son de tous les côtés. Donc là, il faut passer au bon moment. Petite astuce, hein, pour gagner du temps. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me chatouille. Ouais. Alors pourquoi est-ce que le deuxième ne rentre pas dedans? J'en ai aucune idée. Donc on repart du checkpoint. On va récupérer notre ami Didi.
toi tu bouges. Après, est-ce qu'il me l'a détruit? Je sais pas. Non, c'était pas là. Je sais plus. C'est peut-être plus loin. Bon, espérons qu'on y arrive cette fois-ci. Je joue comme un pied. J'espère qu'on va pas s'arrêter là. Il se réveille tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Sans pas non plus faire une émission trop longue. Alors je vous garantis pas que de faire un let's play dessus parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de dextérité. Et autant à l'époque j'avais été capable de le finir à 101% que maintenant, ayant pris un peu d'âge et puis manquant un petit peu de skill, je ne garantis pas. Ou alors faudrait que je le fasse, que je le filme, en mode sans commentaire, et après mettre des commentaires après, mais bon, c'est pas non plus très drôle à faire. Parce qu'il n'y a pas les... Comment dire, il y a les mêmes intonations, je veux dire, quand je perds, il n'y a pas le côté rage, voilà, les trucs... des choses difficiles à reproduire en post-production. Donc au niveau de l'habillage, je sais pas ce que je vais vous proposer encore. Moi, je joue vraiment comme un pied. Concentrons-nous un petit peu. Voilà, on est arrivé un petit peu plus loin tout à l'heure. Voilà, et on a réussi. Il suffit maintenant de pas crever. Voilà. Et bien, bon, maintenant on va arriver au boss. On a Candy qui va nous... save point. On va sauvegarder. Et on fait le boss. Et après, je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est le stage 2-2. Donc lui, il faut le taper 3 fois. Hein. C'est pas très compliqué. C'est le boss le plus facile du jeu. Voilà. Ah non, je pensais que c'était 3 fois uniquement. Dans les Mario, faut le faire 3 fois. Voilà. Donc le boss est terminé. Le stage 2-2, donc le stage dans le wagonnet que j'ai beaucoup aimé. Il y a également les stages avec les lumières vertes et rouges que j'ai trouvé vraiment excellent. Donc là, on arrive au stage, au niveau 2. Et c'est vraiment le prochain que j'ai bien aimé. Vous voyez les petites lumières, ben, voilà, c'est... Savoir avec le nombre de couleurs de la machine ainsi que la résolution. Voilà, graphiquement, ça déchire. Au niveau de la jouabilité, c'est également du très bon. Là, on va passer avec Didi, ce sera plus facile pour récupérer notre grenouille. Au niveau musical, bon, là, c'est foutu. Bon, si on crève, on le refera. Allez, on va se suicider, ce sera plus simple. Je crois que j'ai pris le checkpoint, donc... Je pensais qu'il y avait un système, parce que je crois pas qu'on puisse retourner, si peut-être. Voilà.
récupère Didi. J'aimerais bien récupérer Didi, s'il vous plaît. Et puis comme il spawn à l'infini, bon tant pis, on va le faire sans Didi. Il faudrait que j'estende de la grenouille pour pouvoir... pour pouvoir récupérer Didi. Donc là on a 30 secondes. Enfin, même pas, on a quelques secondes d'ailleurs pour tout récupérer. Et sortir. Bon, je pensais qu'il y avait du time. Voilà, et de deux. Donc vu que là on a la grenouille. Ah, je pensais qu'on... Ah si, voilà. On a les 4 têtes de Kong. Voilà, des spawners à monstres. Voilà. Et on va arriver à mon stage préféré. Le carnage de la mine à cartes. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser au jeu Indiana Jones de l'époque. Au film Indiana Jones, parce que les jeux de type LucasArts ou autre étaient un petit peu différents. Je sais plus exactement ce qu'il y avait sur Amstrad à l'époque, mais bon. En tout cas, c'est le genre de stage qui m'a bien plu. J'ai loupé le haut, merci. Alors là, pour récupérer les bananes, il faut sauter vraiment au dernier moment, et c'est pas évident. On va prendre Didi, je sais que ça change pas grand-chose, mais bon. Donc les bananes vous indiquent l'endroit où vous devez aller. Parce que bien sûr, il y a différents types de voies et des voies désaffectées. Donc on va essayer de la jouer safe cette fois-ci. Et hop, en sautant un petit peu à l'avance. On va y arriver. Puis là, malheureusement, on n'est pas dans Super Mario Maker. Je vais pas vous faire des coupures. Quoique je pourrais éventuellement, mais bon. Pas grand intérêt. En tout cas, si le jeu vous intéresse, sachez que vous pouvez l'avoir pour une poignée d'euros sur le l'eShop de la Wii U. Alors, je précise, c'est pas un placement de produit. Hein. J'ai trop peu d'abonnés pour en faire. Voilà, checkpoint. Maintenant, on a des cartes en plein milieu de la route. Alors, ce qui est difficile, c'est que... Voilà. L'élan est également une chose importante dedans. Donc, je parle plus de l'élan, je parle pas de l'animal, bien sûr. Ok, blague de merde. Il faut fouiller de gros maintenant sur YouTube, c'est vrai. Que je censure ça au montage, si j'oublie pas. Donc, je disais que la vitesse en montée est beaucoup plus basse, ce qui fait que ça rend le jeu, la progression beaucoup plus difficile pour sauter. Alors que quand on descend, je suis vraiment n'importe quoi, moi. Hop. Là, j'ai sauté trop tard. Est-ce que je vais y arriver, les amis? C'est une bonne question. En général, j'avais pas trop de difficultés hein, sur celui-là. À part, j'ai sauté, c'est pas juste. Mais ce que je voulais dire. Donc en général, j'avais pas trop de difficultés sur ce stage, à part vraiment dans les montées, comme là c'est le cas. Donc en bas, on avait le ballon, donc pour. Merci de en sens inverse. Alors lui, il passe, mais moi non. Logique. Pour le récupérer, il suffit de soit de sauter un tout petit poil plus tôt, je crois, ou sauter moins haut. Je crois qu'il faut sauter un tout petit poil plus tôt. C'est comme pour le N, il faut sauter un petit poil en retard aussi. Donc là, c'est un petit peu du par cœur.
Bon, il y a peut-être des chances qu'on finisse toutes nos vies ici. Il en reste 7. On va essayer de vous montrer comment crever et comment récupérer les lettres et puis pourquoi pas le ballon rouge. Fait n'importe quoi. Donc là je sais qu'il va falloir sauter ici, mais pas trop tôt quand même. Donc vous voyez, pour un let's play 100%, bah 101%, c'est quand même très compromis les amis. Attendez, j'arrive pas à passer le stage de 2. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu la lettre. Et voilà, je me suis encore bouffé le wagonnet. Ouais. C'est pas gagné. Il nous reste plus que 5 vies. 4 maintenant. Donc ce qui a peut-être terminé. Non, j'ai sauté trop tôt. Je me rentraîne. Voilà, là j'ai eu le N. J'ai pas eu le ballon, mais c'est pas grave. J'ai sauté trop tôt. Allez, plus que 2 vies. Je pensais pas que ce stage serait le stage de mon cimetière. Sans commentaire. Merci. Allez, saute donc et... Alors là, j'ai perdu mes deux personnages d'un coup. Alors, petite anecdote sur Donkey Kong, faut savoir qu'à la base, c'était Monsieur Miyamoto Shigeru. Voilà, je me suis encore fait avoir. Qui voulait appeler son personnage Monkey Kong, c'est comme ça qu'il aurait dû l'appeler. Et puis, comme il n'était pas très très doué en anglais, en fait il s'est trompé, il a mis Donkey Kong. Parce que Donkey, ça veut dire c'est un âne. Et lui, il voulait marquer Monkey, qui veut dire singe. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Donkey Kong et pas Monkey Kong. Bon, après, techniquement, ça change pas grand-chose. Hein. En français, les deux sonnent bien. Mais bon, on aurait eu MK au lieu de DK, voilà, c'est... C'est pas bien embêtant. Là, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Là, oui, j'ai fait une bêtise, j'ai sauté trop tôt. Donc, j'ai les 4 lettres. Et je crois, voilà, j'en suis même sûr, que ça devient de plus en plus difficile. Je garantis pas qu'on termine ce stage, les amis. Parce qu'il me reste plus qu'une vie. Puis la vidéo s'éternise un petit peu, je voudrais pas que ça dure non plus trop longtemps. Parce qu'après, il va falloir l'uploader. Et avec mon débit, ma connexion moisie, je veux dire. En espérant que ça soit pas striké après par YouTube. Bon, sur Dailymotion, y a pas de problème, mais... Voilà, dernière life. M'embêterait de perdre 3-4 heures pour uploader une vidéo et devoir la refaire. Allez, dernière vie. Peut-être y arriver, c'est un peu probable, mais c'est possible. Hop là, hop, hop. J'aurais bien aimé vous montrer la récupération du ballon rouge. Mais je n'ai point réussi. Voilà. Plus qu'un perso. Le stress augmente.
Et qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Allez, dernière vie. Arrêtez vos singeries tous les deux. Je ne parle plus, je dis plus rien. Voilà, je voulais vous montrer ça, j'ai réussi. Allez, encore une erreur possible. Là, je m'en suis souvenu. Mais là, j'ai sauté trop tôt. Donc, dernière vie. On en a gagné tout à l'heure. Toujours stressant quand on monte et qu'on s'aperçoit qu'on a très peu de vitesse. On se dit, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va le louper? J'ai eu l'impression d'avoir gagné une vie, mais j'en suis pas sûr. J'ai pas eu le temps de vérifier. Là, il y a l'autre qui arrive. Il va revenir. Non, c'est pas là qu'il était, c'était plus loin. Effectivement, j'ai bien gagné une vie. Allez, dernière chance. Pas tomber dans le vide surtout, parce que ça serait le game over assuré, même si le game over est pas très loin. Toujours à cause de ces crocodiles. Voilà, plus qu'une une chance, et voilà. Ben comment arriver à un beau game over. Bah écoutez les amis, je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Le jeu, comme je vous disais, est disponible sur le eShop de la Wii U. Je crois qu'il doit être à une dizaine d'euros. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo très rapidement. Donc demain, pour la prochaine. Prenez soin de vous, jouez bien et à très très vite. Ciao, ciao.